Europe 1. Bonjour. 5h7h. Les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre. Bonjour Ambline Bonjour. Ce matin, on parle de la qualité de l'air et de fil textile. Ouais, j'avoue que moi non plus, hein, j'ai pas beaucoup vu le rapport au quoi début. Qu'est-ce <laughs> que c'est que ce fil textile Et puis de l'autre côté, la pollution de l'air intérieur. Ben bah, un petit chiffre en passant, il est parlant. L'OMS évalue à un peu moins de 45 millions le nombre de décès annuels dans le monde hein, causés par un air intérieur de mauvaise qualité. En France, ce serait 20 000, six fois plus que les accidents Mais de la route comme oui, hein, exactement alors le but de la société purena c'est d'elle dont on va parler bah, c'est justement de permettre d'avoir un air intérieur non pollué et pour cela la start-up basque a mis au point un fil permettant de fabriquer des filtres nouvelle génération pour détruire les composés polluants ou toxiques quelle est donc la composition de ce fil textile miracle et bah, ce textile breveté de Purena est déjà le, le fruit de d'un long de, de longs travaux de recherche menés par natacha kinadjian kapla elle est docteur en, en physico chimie des matériaux président et donc de cette entreprise avec Manon Vaillant, toutes deux très attachées à cette question de la pollution de l'air comme enjeu de santé publique. Alors là, j'ai gagné un peu de temps, vous l'avez bien senti, parce que pour ce qui est de la composition du fil, vous ne l'aurez pas. La recette, elle est jalousement gardée, évidemment, on comprend pourquoi. Mais elle demeure secrète. Alors, alors, ouais, ouais, exactement. Alors ce oui. que je sais, c'est que ce filtre Puréna ne fait pas que stopper les polluants de l'air intérieur, les odeurs, les micro-organismes. Il est détruit via un traitement moléculaire et microbiologique de l'air sans utilisation de charbon actif. Enfin, ce charbon actif, bah, généralement, il vient d'Asie et c'est lui qu'on retrouve hein, dans les filtres commercialisés sur le marché. Bah Là, il n'y en a pas. Le bilan carbone est donc très bon. Il s'intègre en prime à tous les systèmes de ventilation du secteur en s'attaquant même aux bactéries et autres virus contenus dans l'air. Il est pensé pour quel type d'usage ce filtre bah, C'est plutôt des, des grands bâtiments, hein. c'est des bureaux. On va, on va aussi penser aux, aux lieux qui reçoivent du public, oui. des crèches, des écoles, des, crèches, des maisons oui. de santé, qui sont concernées par ce besoin de purification de l'air afin de protéger la santé des occupants. Cette technologie est adaptable d'ailleurs et intégrable à ce type d'installation. Bon, et la société attire d'ailleurs des investisseurs. Oui, bah, il faut dire que ce fil un peu miracle et ce filtre ouais, anti-pollution, bah, ça affiche des meilleures garanties sanitaires, ça utilise moins de consommables, ça nécessite moins de maintenance et ça produit moins de déchets. Donc, c'est plutôt pas mal de quoi rendre confortable l'installation de ce filtre pour les utilisateurs. Bah, du coup, effectivement, la jeune société de Bayonne a créé en 2020, a levé, pardon, en 2020, plus de 1 million d'euros et euh, près de un million et demi supplémentaires il y a quelques jours auprès de BPI France. Objectif, bah, financer cette fois des chantiers pilotes chez des industriels et signer des contrats en bonne et due forme avec une vingtaine d'industriels dès cette année 2024. Merci Jean-Z, les initiatives positives. On vous retrouve lundi sur Europa. Bon week-end.